Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter l'incroyable armée Urukai de Robin. Salut Robin. Salut Rémi, bonsoir. Alors Robin, tu t'es lancé corps et âme dans une énorme armée Urukai, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors énorme, je dirais pas, je pense qu'il n'y en a jamais assez en fait, les Urukai. Tant qu'on n'a pas atteint le chiffre fatidique des 10 000, eh ben, je pense qu'il n'y en a pas assez. Putain, ça... Ok. Non, alors du coup, explique-nous un peu. Alors, pour recentrer un peu le truc, c'est que moi, je fais les Urukai parce que déjà, j'aime pas faire tout ce qui est un peu humain ou elfe. Donc forcément, ça devait être des orques ou des espèces de trucs annexes. Donc ouais. Des Urukai, c'est génial. J'aime bien le côté orque en armure, surentraîné un peu plus massif. Donc voilà, les Urukai, puis le côté hyper cinématographique qu'on a tous vu dans les films. Ouais, parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment branché, quoi. T'es fan des films, on est d'accord? Oui, non, mais bien sûr. Comme j'imagine tout le monde qui écoute, hein, ça c'est clair. Ah, ma copine n'est pas hyper... Mais bon, c'est... Ah, mais elle va pas écouter les podcasts. Ah, si, c'est pas grave. Si, elle écoute tous nos podcasts. Alors, donc, effectivement, les Urukai, c'est un peu le sur-orc, le progrès dans l'orc, quoi, créé par Saruman. D'ailleurs, il n'y a pas Saruman dans l'armée. Eh ben, je te dis, c'est un humain, donc je pense que c'est le dernier que je vais peindre. Non, mais je vais me faire violence et je vais le peindre, mais je préfère peindre des capitaines orques, ou rooks, ou des trolls, ou des balistes, ou des trucs comme ça. Ouais, mais bon, sûr. Il va arriver là, maintenant je suis arrivé au cap des 240 rooks, donc je vais pouvoir faire un peu leur chef de guerre. Eh ben alors justement, transition toute trouvée, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la composition de ton armée et pourquoi telle ou telle unité est là ou absente? Alors, sur tout ce qui est absent, parce qu'on verra, il y en a quand même quelque peu absent, ouais. C'est soit que je ne m'y suis pas encore mis parce que j'ai les figurines, ou alors que ce sont des humains. Hein, par exemple, les Dunedain, c'est toujours de l'Isengard, mais ouais. Vu que c'est des humains, je pense que ça va être les dernières figurines que je vais faire. Mais après, pour tout ce que j'ai... j'ai énormément d'Urukai parce que je trouve que c'est vraiment le cœur et ce qui est un peu cinématographique de l'armée, c'est d'avoir des énormes phalanges orques en armure pour un petit peu représenter ce qu'on a tous vu au siège du gouffre de Helm. Ouais. Ensuite, j'ai beaucoup de scouts, j'en ai 60, enfin j'ai 3 fois 24, donc ça fait quand même une bonne masse d'Urukai scouts avec des archers, des mecs avec boucliers et glaives. Et bien sûr, j'ai toute une flopée d'officiers, donc j'ai des capitaines scouts, j'ai des tambours, j'ai des berserkers, j'ai un chaman, j'ai des porte-étendards. Pour tout ce qui est armé en armure, et ben là c'est, je crois que je vais en avoir 140, il me semble, 140 Uruk en armure avec moitié piqué et moitié avec glaive et bouclier. Et c'est dommage que dans les boîtes de base, justement, il n'y ait pas plus de piquiers. Parce qu'on se souvient bien tous de la marche, ils ont tous un piquier, quoi. Hein, et c'est oui. Dommage qu'on ne puisse pas représenter plus de piquiers et on a à part égale des piquiers plus des Uruks en armure avec bouclier et glaive. Il faut les donc, printer. Bon, ça, c'est un... Ah oui, non, mais d'accord, il faut les printer. Mais bon, moi, dans un premier temps, je voulais faire une armée de masse et donc je ne pouvais pas attendre que les machines s'orientent vers une production massive de Urukai. Ouais, effectivement. Non, alors, t'as quand même aussi un petit peu d'orc, puisque t'as des chevaucheurs. Ça, c'est les chevaucheurs Warg de l'Isengard, donc ils sont propres à l'Isengard, puisque la plupart des autres orcs n'ont pas d'orc sur les Warg. Ils ont juste des Warg, on va dire, libres. Ah ouais. Mais l'Isengard a des Warg montés. Donc après, de toute façon, dans Seigneur des Anneaux, même si tu joues du mal, tu peux jouer un peu n'importe quelle unité, mais pour les hangars propres, eux, ils ont les wargs montés. Donc ouais, effectivement, j'en ai 6 pour l'instant. Okay. Ensuite, j'ai un troll aussi, j'ai un troll en armure, donc ça, c'est un peu ma grosse pièce pour l'instant. Justement, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que c'est ton unité favorite, là? Ah ouais, mon unité favorite dans les hangars. Ouais, comme ça, là, sans honnêtement, réfléchir. Sans réfléchir, moi je dirais une phalange, hein, honnêtement. Ah ouais, une phalange. Phalange piquée. L'unité de base. Bon, ok. Ouais, carrément. Non, mais ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton schéma de couleurs?
Parce que, comme tu l'as dit, t'as peint 240 Urukai actuellement. C'est pas un peu redondant? Alors j'ai fait quelques changements parce qu'il y avait quelques difficultés que j'ai eues au début où en fait ça me plaisait pas trop, je perdais pas mal de temps. Donc j'ai changé juste la méthodologie du schéma de couleur pour que ce soit plus efficace à peindre en masse, quoi. Ouais. C'est-à-dire que en fait j'ai essayé de reprendre le schéma des films, mais pour qu'il y ait un peu plus de contraste, la peau de la chair, j'ai fait une peau un peu plus claire, rougeâtre, un peu plus claire. Ouais, forcément. Donc je suis parti sur une base au niveau de la chair, sur le Red Terracotta de la gamme Air Valero. Ouais. Tu vois. Ok. Et après pour toute l'armure, un chainmail pareil de Valero de base. Ouais. Et à la base, vu que j'avais commencé avec tous les Uruk en armure, j'étais parti sur la couche de base, donc à l'aéro, sur le chainmail, tu vois. Et après, au pinceau, je travaillais sur le rouge de la chair, puisque c'est un petit peu, il y a moins de... Et c'était trop long. Et en fait, c'est pas c'est trop long, c'est que le terracotta, il marque pas bien. Il me faut 3 ou 4 couches pour marquer sur le métallique. Donc en fait, j'ai fait l'inverse, quoi. Oui. Je suis parti sur l'aéro au terracotta, direct après le pré-shading. Et donc ça marque bien. Et alors que le chainmail au pinceau, eh ben, il marque en une seule couche. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc, bon, il faut le faire. Parfait. Tu vois, c'est aussi ça, hein, d'être peintre. Il faut essayer différentes méthodes pour voir qu'est-ce qui marche le mieux et plus efficace, quoi. Alors pour ce qui est de la suite, du coup, tu veux ajouter quoi comme unité? Et si je te dis tout de suite Dundin, tu me réponds quoi? Je dis pas tout de suite. Ou alors il va falloir les prides parce que vu le prix des figurines en plus sous blister, ouais. Qui sont assez difficiles à se procurer hein, d'ailleurs. Donc en fin de cast. Donc non, c'est pas la peine. Non, par contre, j'ai encore pas mal de choses à monter et à peindre. Donc j'ai des balistes, donc j'en ai deux. Ça, les balistes. J'ai deux nouveaux. Ah, les balistes, c'est génial. De toute façon, quand tu veux faire une armée de siège, il faut que tu aies des armes de siège. Ouais. Et les Uruk, ils ont deux unités pour le siège. Les balistes et l'unité de siège avec les échelles. Ouais. Et ça aussi, les échelles, génial. Donc j'en ai déjà une de fait avec les deux bombes plus quatre échelles et toute l'équipe d'unité de siège. Et j'en ai une deuxième donc à monter, à peindre. Donc voilà, après j'ai encore des trolls. J'ai deux trolls en armure à faire. Donc ça a un peu changé parce que j'en ai un avec bouclier et lance. Et bah, j'ai pas envie de faire le même trois fois, donc je vais un peu changer, puisque c'est un kit quand même qui permet de assez différents choix d'équipement. Ah ouais, bien sûr. Donc c'est bien, tu peux même faire des tambours avec la grande épée ou d'autres choses, ou un marteau, je sais plus exactement, mais ça permet d'avoir une diversité d'équipement qui est intéressante. Et bien sûr, donc, toujours plus d'Urukai. Ah ouais, les Urukai. Ah bah je pense que je vais au moins doubler l'armée, je pense. dans pas très longtemps, je sais Il pas va dans falloir les racheter combien de la temps, vitrine. Mais dans les prochains mois, ouais. ouais, ça c'est clair. Bon bah ça marche Robin. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour dire à Robin d'arrêter, s'il vous plaît. Commentez pour dire à Robin jamais. D'arrêter. Aucune limite. Ah non, c'est pas le bon. À vous abonner, à cliquer sur le pouce et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Et si vous voulez avoir un peu plus de contrepartie et nous soutenir, n'hésitez pas à aller voir du côté de notre Tipeee. On se voit au prochain Medal of Color. Salut! Salut à tous!